Salut à tous, c'est avec le coach Galago Musique. Aujourd'hui pour vous, la deuxième partie de Bohemian Rhapsody. Le tuto fleuve qui va être très compliqué pour moi à terminer. Alors afin de me motiver, je me suis dit qu'on pourrait faire un petit truc. Ce serait que si vous voulez que je fasse la suite, d'essayer de faire en sorte qu'il y ait au moins 500 pouces bleus. Ah, la prise d'otage! Non mais vraiment, ce morceau-là spécifiquement, il me demande beaucoup de temps. Que ce soit pour leur piquer ou pour vous l'expliquer et le monter encore pire. Donc je ferai la suite si vraiment vous êtes motivé pour l'avoir. Donc pour rappel, dans le tuto précédent, on avait bossé l'intro. Bon bah là, on va bosser le premier couplet et le refrain. Et avec ça, on a fait à peu près, je sais pas, 2/5 du morceau. Peut-être même un peu moins en fait. Oh. Enfin bref, il n'empêche que c'est vachement beau et que ça mérite que vous passiez un petit peu de temps à bosser là-dessus. Allez, changement de plan, je vous montre comment ça se joue. Rah. Alors comme je vous l'ai dit, on va voir le couplet et le refrain, et dans chacune de ces deux parties, on va trouver 8 mesures. Qui du coup est assez pratique, car ça permettra de s'y retrouver facilement. Donc dans le tuto précédent, on avait terminé en faisant... Donc là, on va attaquer pile poil sur le couplet quand Freddie Mercury commence à chanter. Alors voyons ce qui se passe dans les deux premières mesures de ce couplet. Ah oui, j'ai oublié, j'ai dessiné un petit point rouge ici pour vous signaler où se trouve le do du milieu. Hein, comme ça, ce sera plus facile de s'y retrouver parmi cette forêt de touches. Alors la main droite va rester sur le si bémol majeur, l'accord par lequel on finissait la partie précédente. Et la main gauche va se placer sur si bémol au pouce et si bémol au petit doigt. Donc là, on est vraiment dans les graves, hein, j'ai quasiment plus de touches à l'écran. Donc sur le premier temps, les deux mains démarrent ensemble, j'appuie directement sur la pédale. Et pour la main droite, vous allez faire ceci, une fois donc tout l'accord. Ensuite, on retape le si bémol ré, et on rejoue le pouce. Sur le fa, suivi du si bémol et du ré. Bon, un petit peu plus vite, 3, 4, et maman. D'accord. 1, 2, 3, 4, ok. Donc la main gauche, pendant ce temps-là, on pense qu'elle peut se reposer, mais non. Parce qu'elle va profiter du fait que la main droite joue quelques croches pour se déplacer par-dessus sa copine et jouer sol-sol, puis fa-fa. Alors, 3, 4, et maman. Just. Et la main droite rejouera le si bémol à la fin de la mesure. Alors, quand on arrive sur le killed, la main droite jouera sol do, d'accord, et la main gauche sol sol. Là, c'est tellement bas que malheureusement le sol n'est pas à l'écran, mais bon, c'est bien sol que je joue à la basse. Et les deux mains doivent donner ceci. Alors, mes deux mains attaquent ensemble. Tac, dès que j'ai joué ça, la main droite va jouer si bémol ré, deux fois de suite. Voilà. Dès que ça c'est fait, la main droite rejouera sol, puis si bémol. Et pendant ces deux notes-là, la main gauche, encore une fois, va passer par-dessus la droite et jouer la la, puis sol sol. Alors. Ok. Donc faut pas que vous preniez trop votre temps pour la main gauche, parce que si elle part en retard, du coup, vous allez être obligé de speeder à mort pour arriver sur les bonnes notes. Donc mauvais exemple. Ah merde, trop tard. En gros, dès que c'est le pouce qui rejoue la main droite, kill the man, pouf, je fais partir la gauche. Bon, à peu près ça, hein. Dès que vous avez fait ce la la, sol sol, la main droite va jouer ré ré. D'accord. Alors je vous refais cette deuxième mesure plus le premier temps de la mesure 3. Kill the man. Put a gun. Haha. Alors à la fin de la deuxième mesure, dès qu'on a fait ça là-haut, la main droite va jouer ré, ré, d'accord, deux fois de suite. Alors je change de doigté exprès, genre 4, 3, parce qu'après on va se diriger vers un do mineur. Sol, do, mi bémol. Et du coup c'est plus simple si on part d'un 3 plutôt que d'un 4. Bon, alors je reprends de la deuxième et on attaque la troisième mesure. Ok. Quand vous êtes sur ce premier temps de la troisième mesure, on va jouer ça. Alors j'ai fait mon accord de do mineur do-do à la basse, je tape ensuite. Donc je suis toujours avec la pédale, hein, je la change dès que je change de mesure. Donc premier temps de la troisième mesure, j'ai tapé mon sol do-mi bémol. Une fois que j'ai fait ça, ma main droite va faire la mélodie. Fa-mi, ré-do, do-ré, voilà. Gun against his head, pull my, voilà. Je chante pas très bien, hein, je pense que vous l'avez remarqué, je suis désolé. Ça permet juste de savoir en fait où on en est. Donc la main gauche, elle fera dodo. Elle fera dodo, enfin. Et après, elle fera un grand, grand saut jusqu'à ré, ré. Carrément. Puis dodo. Alors, on va voir comment ça se passe avec les deux mains. Alors.
dès qu'on a fait ce Do là, la main gauche partira, enfin normalement devra déjà être partie, pour aller chercher son Ré Ré. Une fois que le Ré Ré est joué tranquillement, on va faire Do Do, et la main droite fera Do Ré. Donc toute la troisième mesure. Voilà. Et la quatrième mesure, on aura fait la moitié du couplet, je reviens, enfin je replace ma main gauche sur Do Do, je conserve ma main droite sur Do mineur, Sol demi bémol, et on va faire ça. Joli. Donc je plaque mon premier temps. Dès que c'est fait, la main droite jouera la mélodie. Fa, mi, ré, do. Dès que ce do est joué, la main gauche, paf, joue sur fa, fa. Là, on le voit carrément plus, le petit doigt, hein, désolé. Donc encore. Trigger now is dead. Dès que ce fa est entendu, la main droite se déplace et justement place le pouce sur mi bémol, suivi de fa et de do. Quatrième mesure. Au niveau de ma pédale, je la change quand ma basse change également, puisque l'accord du coup est différent. Donc j'appuie la pédale au début. J'attaque mon Fa, et dès qu'il est entendu, mon pied se soulève et réappuie. Je vous rejoue les quatre premières mesures de cette partie. 3, 4, 3, mesure 5, vous allez être content, c'est quasiment comme la première, c'est-à-dire qu'on reprend notre si bémol majeur, soit fa si bémol ré, avec si bémol à la main gauche. Donc c'est tout pareil au début. Là, la main gauche rejoue également son fa fa de la fois d'avant, mais par contre, la main droite, au lieu de rejouer si bémol, elle va changer le 4 ici, le ré, par un index. Donc on fait une substitution en fait, et on va jouer ré fa. Alors je rejoue l'ensemble. Alors, faut juste faire gaffe, parce que il va y avoir un choc de notes. Alors, je reprends le départ, là. J'ai Sol Sol là-haut à la main gauche. J'attaque Fa Fa au même moment où mon index qui a substitué joue le Ré. Sauf qu'après, le quatrième ici de main droite rejouera le Fa, qui était joué par la main gauche aussi. Donc, faudra bien vite enlever la main gauche de manière à ce que l'annulaire, le 4 là, puisse rejouer la note en question. C'est pas clair ? Je vous le refais. Que ça se passe. Ok. Dès que ça s'est joué, on va se retrouver à la mesure 6. La main droite va jouer si bémol, ré, la. Ok. Et la main gauche va se placer à nouveau sur un sol sol avec toujours ce doigt mystère. Et la mesure entière va donner ça. Yeah. Alors je me replace sur le premier temps. J'attaque ça ensemble. Sol, petit doigt là-bas. Après, je joue le pouce. Dès que ce pouce est joué, la main droite va rejouer quasiment la même chose, mais le La disparaît au profit du Sol. Donc on fait un Sol mineur. Si bémol Ré Sol, qu'on va taper deux fois de suite. Just be there. Dès que ça c'est fait, le pouce se déplace de main droite pour jouer Sol, juste en dessous de là où on était. Donc, just be there. Okay. Et pendant ce temps-là, normalement, la main gauche aurait déjà dû partir pour aller jouer La La, puis Sol Sol. Et là, pareil, il y aura un petit choc de notes, puisque la dernière note de main droite sera le Sol qui est ici. Donc il faudra que la main gauche, on s'y perd, soit partie, pour que le petit doigt ici puisse le rejouer. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, et voilà. Donc les mesures 5 et 6 d'affilée. Et ensuite, mesure 7. On va se diriger à la main droite sur un Do mineur 7, soit Do, Mi bémol, Sol, Si bémol. Et on tapera cet accord-là 4 fois d'affilée. 1, 2, 3, 4. Okay. La main gauche, à ce moment-là, tape Do, Do. Et c'est tout, donc 1, 2, 3,
sur le troisième temps, le Do de la main droite devient un Do bémol sous la note Si. Donc l'accord est assez étrange et sonne comme ça. Mais c'est bien ce qu'il faut faire. Et par un heureux hasard, la main droite qui était sur Do, Do comme la main droite devient également Do bémol, soit Si. Et du coup l'accord pleine bourre sonnera comme ça. Ouais, quand on est sorti de son contexte, c'est très étrange. Là, je vous fais l'enchaînement. Dès que ça c'est fait, on rejouera Sol à la main droite et on va se déplacer sur Sol, Si bémol, Mi bémol, tac, soit Mi bémol majeur, avec à la main gauche un Si bémol. C'est donc un Mi bémol, basse, Si bémol pour les puristes, voilà. On tape ces cinq notes et après on fera un petit Ré tout seul qui se balade à la fin du quatrième temps. Toute cette septième mesure. Faudra bien gérer l'enchaînement entre l'accord chelou et puis celui-ci. Je vous rejoue cette septième mesure et on voit la dernière, la huitième, dernière du couplet. Hein, voilà. Donc 1, 2, 3, 4, 1, 2, et 3, 4, et. Et on va faire ça. Et toujours ce Sol qui n'existe pas à l'écran. Donc pour la huitième mesure, je me suis dirigé vers Sol et Do à la main droite, d'accord, ça durera deux temps complets, et ensuite je jouerai Do, Mi bémol, La bémol, soit La bémol majeur, et ensuite Si bémol, Mi bémol toujours, donc l'index ne bouge pas, et Sol. Donc tac, tac, ça c'est le troisième et quatrième temps de la huitième mesure. Pendant ce Sol Do, la main gauche, elle part sur La bécard, enfin La quoi, donc 1, 2, 3, 4 fois en octave, et ensuite pendant que la main droite jouera Do mi bémol, La bémol, la main gauche jouera La bémol, La bémol, et ensuite sur le Si bémol, Mi bémol, Sol de main droite, on jouera Sol, donc un accord de Mi bémol, basse Sol, encore cette huitième mesure, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Donc là c'est pareil, j'ai changé ma pédale dès que ma basse changeait de note, parce que sinon ça va faire une espèce de bouillasse. Donc je place la pédale, 1, 2, 3, 4, j'attaque mon accord, j'attends qu'il soit entendu, dès que c'est le cas, mon pied se relève et appuie. Et pareil pour l'accord d'après, j'appuie, dès que les notes sont entendues, mon pied se relève et appuie. Et après on arrive enfin sur le refrain, sur ma main. Alors mesure 7 et 8, et puis après je vous rejoue tout ce couplet, donc... 1, 2, 3, 4, et 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, voilà. Et sur ces deux derniers accords, vraiment je mets la gomme, hein, il y a du poids. Je rejoue tout ce couplet. 3, 4. Alors, refrain, première mesure. La main droite se trouve sur un Mi bémol majeur, Si bémol, Mi bémol, Sol. D'accord. On va taper cet accord-là deux fois de suite. C'est quand il chante ma main. Okay. Au bout de trois temps, la main droite rejouera Si bémol plus Fa. D'accord. Ok. Et ensuite, on jouera Sol et La bémol. C'est quand ça fait... Donc, ma main. Je vous montre la main gauche pour habiller le truc. Ah, je vous ai concocté des petits écarts sympas. Vous allez me détester. Mais en même temps, ça fait très joli, je vous assure. On va faire Mi bémol, Si bémol, Sol. Ah, Si bémol. Jusque-là, à la limite, ça va. Donc vous voyez, je tire ma main, mais je ne tords pas le poignet dans je ne sais quel sens. Hein. C'est vraiment... Tac, je me déplace un peu sur la droite, vous voyez, comme ça, mais pas davantage. Donc 1, 2, 3, 4. Dès que c'est fait, on rejoue Mi bémol,
après si bémol avec l'index de préférence, parce qu'après on ira vers ré et si bémol à nouveau. Fin de la première mesure du refrain. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ouais. Avec la main droite. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Et, ok, mesure 2. La main droite va jouer mi bémol sol, suivi de do do en octave, mi bémol, sol bémol, et après attention, celui-là, il est joli mais pas facile, c'est ré fa ré, et ensuite do mi bémol do. Voilà, je vous refais cette deuxième mesure de main droite. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. La main gauche, elle reste en croche comme la mesure précédente, et elle va jouer ça. Donc je suis sur un Do basse, et on fait, elle fait Do, Sol, Do, Sol, ça va, c'est les quatre premières. Les quatre suivantes, c'est Do, Sol, Mi bémol, et Re-Do d'en bas. Encore ça, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Les deux mains ensemble. Ensuite, la main gauche se déplacera sur un Fa et on jouera ceci. Fa, Do, Fa. Ensuite, en octave, Fa bémol, soit Mi. Donc, 1, 2, 3, Fa bémol, tic, nouvelle note chromatique en plus, tic, je change la pédale. Et ensuite, on fera Mi bémol, petit doigt, Mi bémol pouce. Là, pareil, j'aurais re-changé la pédale. Encore. 1, 2, 3, 4. Mi bémol au pouce, Ré, petit doigt, je rechange la pédale, et Ré, au pouce. Encore cette troisième mesure. Niveau de la main gauche, la quatrième est beaucoup plus soft. Hein. Alors, 1, 2, 3, clac. 1, 2, 3, 4. Que fait la main droite? Alors c'est très joli, je vous ai fait un truc en sixte. Ça va sonner comme ça. Et si bémol à la fin. Alors, Do la bémol, ensuite je descends en faisant Si bémol plus Sol, que je taperai deux fois de suite, et ensuite La bémol Fa, que je taperai deux fois de suite également. Donc, tin, et petit Si bémol de fin, avec la main gauche. Petite descente chromatique fait un peu bizarre quand on joue pas vite, mais à la vraie vitesse, ça marche super bien. Et ça marche d'autant mieux si on change vraiment bien la pédale. Donc la quatrième mesure, la main gauche jouera si bémol en octave, 8 croches d'affilée, trop cool, et la main droite va faire ceci. Ah non, le point que j'avais dessiné sur le Do est à moitié parti. Voilà, il est de retour, donc si bémol à la main gauche, disais-je, et à la main droite, Fa, La bémol, si bémol sur le premier temps, ok. Et on va faire comme ça. On tape l'accord, ensuite on se déplace sur Si bémol Ré Fa, qu'on tapera deux fois. Après Si bémol Mi bémol Sol, deux fois aussi. D'accord? Donc, avec la pédale. 1, 2, 3, 4. Le nouvel accord, j'ai changé la pédale d'ailleurs. Et ensuite je rejoue Si bémol Mi bémol Sol, mais avec 1, 2, 4. Au niveau du doigté, je pense que c'est mieux, parce qu'après il faudra faire Si bémol Fa La bémol. Et on retapera cet accord-là également une deuxième fois avec le doigté 1, 2, 4. Pareil, de préférence. Parce que pour terminer, on fera Si bémol, Fa, Si. Voilà, il nous fallait le petit doigt, sinon on est à court de munitions, quoi. Si bémol, Fa, Si. Et la bémol tout seul. Bon, là, je pense que ça voulait rien dire. Je vous le refais pas vite et j'enchaîne. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Et... Alors, je sais pas si c'était mieux. Avec la main gauche, encore moins vite. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Et... Do.
Donc cette mesure-là, pareil, faites un beau crescendo dessus. Hein. Donc limite, vous partez moins fort que ce que vous jouiez sur la mesure précédente. Et au fur et à mesure... Voilà, vous augmentez de manière à créer l'émotion. Alors les mesures 3 et 4 d'affilée, je pense que c'est pas du luxe. Sur un mi bémol à la main gauche. C'est cool, on a quasiment terminé. Enfin, cette portion-là du morceau. Ouais. Alors, je vous refais les quatre premières mesures du refrain et on attaquera les quatre dernières. Donc. Déjà ce qui se passe ici, donc on fera mi bémol, si bémol, sol, re si bémol, c'était les quatre premières croches, mi, si, sol, si, ensuite ré, si bémol à nouveau, je pense avec deux c'est mieux, fa et si bémol, fin de la sixième mesure, enfin de la cinquième mesure, pardon. Ok, la main droite, elle avait son la bémol de la mesure d'avant qui était restée enfoncée, donc elle part sur le E du deuxième temps, et elle va jouer si bémol, mi bémol, sol. Doigté 1, 2, 3, pas forcément évident, en même temps, comme on avait un 4 avant, c'est difficile de mettre autre chose, à moins juste de glisser, bah si, si, voilà. Et dès que ça s'est joué, on fera fa, sol, ah oui, mais là c'est embêtant du coup. Alors non, je reviens sur ce que je viens de dire, vaut mieux faire si bémol, mi bémol, sol, 1, 2, 3, parce qu'après on va faire fa, sol, tac, et si bémol, fa, si bémol. Donc 2, 3, voilà, carry on, d'accord. Et dès que ça c'est fait, pour terminer la mesure, le fa qui était joué par le 2 sera remplacé par le 3. Carry, voilà, pour faire le petit carry on qui suit. Hein, je suis un peu obligé de vous reprendre sur la mesure d'avant pour qu'on arrive à s'y retrouver, donc mesure 4 et 5. Avec les deux mains, mesure 5. 1, 2, 3, 4, et encore ça. 1, 2, 3, 4, et dès que ça s'est joué, on allait vers si bémol, fa, si bémol, et ré au petit doigt, main gauche. 2, 3, 4, et voilà. Petite dernière fois. Premier temps de la mesure qui suit. Donc à la main droite, sol, do, mi bémol, d'accord, on laisse enfoncer un temps et demi, suivi ensuite de si bémol tout seul, d'accord. Donc 1, 2, 3, 4. La main gauche, pendant ce temps, fera, part d'un do, do, sol, mi bémol, sol, d'accord. 1, 2, 3, 4. 4. Et voilà la petite phrase trop stylée de la fin de section. On va chercher la bémol à la main gauche. On pourrait faire que ce la bémol là d'ailleurs, parce que ça m'embête de ne pas pouvoir vous le montrer, mais la caméra est sur un trépied qui a un équilibre très précaire, donc si je bouge un tout petit peu, il faudra que je re-règle tout, ça va prendre une demi-heure, c'est relou. J'aime bien vous raconter ma vie de temps en temps comme ça, c'est rigolo. Donc la bémol main gauche, avec à la main droite, mi bémol, la bémol, et do bémol. Donc si. Et on va donc taper ces trois notes là après. Ré bémol à la main droite, je rejoue l'accord en question et je rejouerai pour terminer. Ré bémol, do. Avec la main gauche, c'est quand il chante Nothing really matters. Et il nous manque le thirst, the matters. À toute cette sixième mesure, carry on. Et
Et là, on arrive sur les deux dernières mesures qui sont plutôt tranquillou de biloute. La main gauche jouera mi bémol ici et la main droite mi bémol majeur, soit mi bémol, sol, si bémol. Alors là, regardez bien ce qui se passe ensuite. Je déplace toute ma main droite vers un mi bémol tout seul au pouce, sol, si bémol. Donc 1, 2, 3, 4. Et ça, c'est le petit truc qu'on adore qui fait. Qu'est-ce que c'est élégant quand même, putain! Ah oups, je me lâche. Je refais. Mi bémol, sol, si bémol. Ensuite, je vais vers la bémol do. J'alterne avec mi bémol tout seul. Après, sol, si bémol, re mi bémol tout seul. Et je descends chromatiquement. Donc ça devient sol bémol et la. Re mi bémol au-dessus. Et je termine encore chromatiquement. Donc demi-ton par demi-ton, par fa. La bémol et mi bémol. Ouais, on a terminé le refrain. Ouais, je voulais réveiller un peu les troupes, là, parce que voilà. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4. Ouais, ici, c'est juste une mesure à deux temps. Et rendu là, on recommencerait un deuxième couplet en commençant d'abord par le truc qu'on avait à la fin de l'intro. Génial! Allez, on termine cette vidéo. Je vous refais couplet, refrain. 3, 4. Bon bah voilà, et ouf! C'est donc la fin de la partie 2. Si ça vous a plu comme d'hab, vous laissez un petit pouce bleu. Bon, à la limite, prenez votre temps avant de le faire, parce que comme j'ai signé pour faire la suite de ce tuto à partir de 500, faut que vous soyez sûr d'avoir déjà tout réussi ici, avant de me demander les parties d'après. Bref, quoi qu'il arrive, n'hésitez pas à laisser un commentaire, ou à vous abonner à la chaîne, hein, ça fait toujours plaisir. Bah voilà, écoutez, je vous libère, je vous souhaite plein de bonnes choses, bon piano à vous, et je vous dis à très vite dans un prochain tuto. À très bientôt! Ciao!